Gaza. Comment ça va? Je sais quand même ça coûte tout à bien, aujourd'hui on est ensemble. Notre séance va s'arrêter. On va continuer la conversation à propos des... On n'en avait pas encore fini. À propos des démons. Ok, nous allons danser d'abord et ensuite on va parler d'eux. Ok. De quel démon va-t-on parler? Oh, ok, on était à la famille Peur. On va continuer la conversation à propos de cette fameuse et grande famille. Il y a pas mal de membres dans cette famille dont on doit jeter les voiles. Ok, aujourd'hui on va parler de la peur de l'inconnu. Vous allez voir que c'est une peur qui est très intense, qui est très puissante, qui retient beaucoup de personnes parce que on ne peut pas se projeter dans ce qu'on ne connaît pas encore. Donc on s'attache à ce qu'on connaît, même si ce qu'on vit maintenant, ce qu'on connaît, la situation présente n'est pas idéale, elle ne correspond pas à ce que vraiment on aime. Mais on a peur. Et avec cette peur de l'inconnu, s'associe aussi la peur du changement. Parce que le changement serait une réalité nouvelle qu'on ne connaît pas encore et dont on a peur. Parce que, ok, il y a même un vieux proverbe qui dit « Je préfère avoir un diable que je connais qu'un ange que je ne connais pas encore. » Vous voyez la perversion de ce proverbe. C'est que, ok, mieux vaut s'acharner sur ce qu'on connaît déjà, sur la réalité qu'on connaît bien, au lieu de penser à la changer et avoir quelque chose de mieux, quelque chose qui est plus souhaitable. Voilà, donc c'est ce que fait ce petit démon là. Ce petit démon vous dit, un tien vaut deux que tu l'auras. Vous n'allez pas vous battre pour avoir ces deux-là, parce que vous avez déjà un, même si ce est un. Donc on ne s'aventure pas, hein, parce que on a peur de ce qu'on ne connaît pas encore. À un certain niveau, c'est un peu humain d'avoir eu cette peur. Comme je vous dis, ces émotions-là, ces petits démons-là, ils sont innocents, parce que en réalité, ils essaient de nous protéger contre les dangers, contre la douleur, contre la souffrance. Donc, ce petit démon... parce que vous connaissez déjà cette réalité, mieux vaut la garder. Hein? Mieux vaut la garder parce que vous ne savez pas encore ce que l'autre réalité va être. Donc, pourquoi... combattre ces petits démons-là, il faut avoir développé le goût du risque. On va me dire, mais non, mais est-ce qu'on peut risquer comme ça? Il faut prendre des risques calculés. Oui et non. Puisque certaines fois, on ne sait pas. Donc, c'est accepter la vérité qui est inhérente à l'expérience humaine, qui est accepter l'incertitude. Parce que quand on ne peut pas accepter l'incertitude, on va avoir de l'anxiété, ce qu'on appelle, on va avoir des troubles de l'anxiété, parce que on va être aussi prophète. Vous allez avoir des idées préconçues.
vous allez avoir de fausses projections, de fausses analyses et vous allez tirer inévitablement de fausses conclusions. Donc, l'idée, c'est d'accepter, moi, toujours se préparer à s'adapter à une nouvelle réalité. Voilà, c'est cette confiance qu'on se fait dans les choix qu'on fait, dans les décisions qu'on prend, et que, quoi qu'il arrive, on va toujours trouver une solution, on va toujours trouver un moyen de réparer ou bien de s'adapter ou bien d'avancer. C'est ce qu'on appelle aussi, il faut être aussi flexible. Maintenant, si on est rigide, on va aimer la sécurité, on ne va pas prendre de risques parce qu'on va répéter le même slogan. Un tien vaut mille, tu l'auras. On ne va pas prendre le risque. Il faut bien dire que il y a risque et risque. Il y a des situations qui ne sont pas des risques. Il y a des situations qui, quand on s'y aventure, c'est vraiment aller à l'aventure. Mais dans d'autres cas, il faut apprendre des risques et à accepter ce qui va arriver. Sans quoi, on va être sous l'emprise du démon, de la peur de l'inconnu, de la peur du risque. Et laissez-moi vous dire que la peur, le goût du risque, la capacité de prendre des risques est tributaire de notre quotient émotionnel. Plus le quotient émotionnel est élevé, ça veut dire plus on a la capacité d'adaptation, d'ajustement. Plus on a de flexibilité, plus on va prendre de risques. Il y a un dicton qui dit aussi qu'il ne risque rien à rien. Et c'est vrai. Mettez-vous en tête que pour avoir quelque chose, il faut perdre quelque chose. Yes. Si vous voulez quelque chose de nouveau, vous devez abandonner ou changer. Vous savez comment Albert Einstein définit la folie? La folie, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Voilà la définition de la folie. Donc, il est clair que si on veut un résultat différent, nous prenons des risques chaque jour, là, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous continuons à danser, ensuite on va reprendre la conversation sur les démons à chasser.
On a fini de parler des mots, de la peur du risque, la peur de l'inconnu, la peur du changement. Dans le même paquet. On a dit que c'est une escorte. Une escorte que des mondes. Ils peuvent avoir différents noms. Les noms sur noms. Ok les amis. On va s'arrêter là. On se revoit dans une prochaine vidéo. Continuer la conversation à propos de nos petits démons, nos démons. Ok, la seule manière de les combattre, d'abord il faut les reconnaître. Et ensuite les combattre. Le challenge, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. Et dans la section des commentaires, vous allez partager avec nous qu'est-ce que vous avez fait de nouveau dans la perspective de combattre le démon qui se nomme la peur du changement. La peur de l'inconnu.